La Fondation Moana Mayele présente sa grande vision touristique devant le ministre de Tourisme, Yves Bokolou. Votre préoccupation est pertinente, mais nous devons comprendre que le tourisme, c'est aussi l'observation de l'environnement. Moana Mayele vise à la promotion des sites touristiques congolais, une approche numérique conformément au plan national numérique lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Moana Mayele, l'approche numérique qu'on peut avoir, c'est déjà dématérialiser tous nos sites touristiques, premièrement. Deuxièmement, rendre accessibles nos sites touristiques auprès des élèves, notamment la mise en place de l'application qui va s'appeler Moana Mayele App, qui permettrait justement de digitaliser notre pays, digitaliser un peu ce secteur-là et promouvoir surtout notre République démocratique du Congo à l'international. Car aujourd'hui, la communication de notre pays est vraiment très mal vue à l'extérieur. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, beaucoup pensent que c'est juste la guerre, c'est les meurtres et autres. Or qu'on a un pays assez riche et on doit promouvoir tout ça à l'international. C'est la raison pour laquelle Moana Mayele et notamment la partie Caribe ou DRC, qui a pour but de promouvoir la culture, promouvoir l'éducation, promouvoir le tourisme et montrer qu'on est une merveille au cœur de l'Afrique. En fait, la coopération de la part du côté Moana Mayele avec le PETENTIC, c'est sans doute le gouvernement veut à ce que tout le secteur soit numérique. Alors, nous avons réfléchi à un projet, je dirais, entre guillemets, analogique, donc, parce que ça existait déjà dans le secteur. Alors, Moana Mayele, dans son volet numérique, veut justement numériser ce secteur, mettre en place des structures numériques de différents sites touristiques. C'est alors que nous allons cadrer avec la vision du chef de l'État de numériser tout le secteur dont le tourisme n'est pas épargné. Le coordonnateur Paul Tshibamba lance un appel au gouvernement. Les autorités, nous leur demandons, comme à tout Congolais, ce n'est pas destiné seulement aux autorités, à chaque Congolais qui doit aimer ce pays ici, doit contribuer à soutenir le programme de l'éducation nationale qui est aujourd'hui relié au programme du tourisme. Tout le monde doit aider ce programme à se développer, à s'implanter dans ce pays ici pour que le Congo aille de l'avant, que le Congo produise beaucoup d'argent grâce au nouveau programme de l'éducation relié au tourisme. Alors, dernière question pour qu'on se sépare, coordonnateur. Le gouvernement a déjà prévu un ministère du tourisme. Oui. Quel serait votre apport dans ce secteur du tourisme? Parce que ça existe déjà. Oui, mais tout n'existe pas. Il était seul avant. Aujourd'hui, le ministère du tourisme est relié au ministère de l'Éducation nationale. Les deux doivent travailler ensemble pour produire un bon programme qui aide nos enfants, tout en allant à l'école, de cultiver l'esprit du tourisme, de pouvoir favoriser le tourisme dans ces pays en y amenant aux âges possibles, en y amenant ceux qui peuvent venir faire du tourisme ici, ceux qui peuvent venir faire du tourisme, parce que le tourisme c'est une industrie, alors qui peuvent venir apporter de l'argent au gouvernement congolais grâce au tourisme, que le pays ici puisse se développer. Le partenaire de la Fondation Moana Mayele, séduit par ce projet, décide d'accompagner Moana Mayele jusqu'à son exécution. Voilà, moi je suis Madame Haïdi, je suis de la société Lisungi, qui est une société d'accompagnement médical. Lorsque le projet Moana Mayele a frappé à notre porte, on a vu l'importance, on n'a pas réfléchi deux minutes, c'est tout de suite qu'on a dit oui, parce que ce sont le genre de choses qui valorisent notre pays. Et voilà, et donc nous avions accepté d'accompagner Moana Mayele dans tous les différents sites où il se rend pour le soin médical des enfants, puisqu'on sait que, voilà, on descend, il y a peut-être des enfants un petit bobo, l'enfant peut avoir une petite fièvre suite au changement de terrain, ça arrive aux enfants, et Lisungi sera là avec tout ce qui est... Voilà. Vous l'aviez tout dit, on organise tout avec l'équipe Moana Mayele de manière à ce que nous puissions accompagner. C'est comme je viens de le dire que nous devons nous soutenir main dans la main avec le peu qu'il y a et avancer, affronter pour qu'on puisse y arriver.